La démarche de l'enquête a une histoire longue dans nos sociétés. Elle est liée à des enjeux sociaux, économiques et aussi scientifiques. On peut alors penser comment on peut transposer ces pratiques d'enquête en éducation et aussi, bien sûr, en éducation au développement durable. Pour transpos transposer la démarche de l'enquête en éducation, il faut clairement identifier ses finalités pédagogiques et didactiques. Et donc, euh, regarder... Considérer comme dispositif de construction de connaissances cette démarche d'enquête suppose un certain nombre de questions. On s'interroge sur les objectifs de l'enquête. Quels sont les enjeux didactiques On s'interroge sur son fonctionnement. Est-ce qu'il s'agit de faire un apprentissage euh, tout, tout neuf Est-ce qu'il s'agit de confirmer un approfondissement de connaissances euh, comment va se faire la supervision Est-ce qu'on a un recours à l'Internet euh, Et comment on va restituer les résultats de l'enquête Il faut en tout cas, quelles que soient les réponses données à ces, à ces questions sur lesquelles on peut encore revenir, vérifier l'adéquation de la pédagogie de l'enquête pour l'étude de la question qu'on a identifiée et donc pour son enjeu didactique. Et pour ça, il est très important de réfléchir à la question qui va déclencher l'enquête et qui va permettre une certaine vie à l'enquête. Donc, identifier des questions, on a vu avec John Dewey, que ce n'est pas si simple que ça. Et donc, réfléchir sur qu'est-ce qu'une question de développement durable, eh bien, voilà une question à laquelle, évidemment, il n'y a pas de réponse univoque, ni précise, ni définitive. On peut aussi se demander qui pose la question. Est-ce que c'est l'enseignant qui en propose, est-ce que ce sont les étudiants qui proposent également ou est-ce que c'est une négociation entre enseignants et élèves ou étudiants Voici à titre d'exemple une question qui avait été proposée par une étudiante en troisième année de licence euh, en sciences humaines et qui est dans quel contexte, pourquoi et avec quels moyens se préoccupe-t-on aujourd'hui de de de, de, du problème de la pollution lumineuse Voilà une idée de question proposé par, par une étudiante. Maintenant, évidemment, on peut envisager tout type de questions et voir si c'est nécessaire pour un enseignant euh, d'aider de, 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 dans la formulation de la question. Alors toujours dans l'idée de, ce, de cette vie de l'enquête, on peut se pencher sur la question de sa profondeur. Combien de temps on lui accorde En combien de successions d'étapes Combien de séances peuvent être accordées à l'enquête On sait que mener une enquête peut être chronophage. Il ne suit pas un rythme scolaire traditionnel. Et quand est-ce qu'on considère que l'enquête est terminée C Toutes ces questions nous mènent aussi à l'idée de voilà finalement quel est le destin des questions qui ont généré ces enquêtes et comment la question étudiée est-elle traitée Cela pose la question également de savoir si on est dans une enquête monodisciplinaire ou interdisciplinaire. Là encore très important dans le cadre de, de l'éducation au développement durable. Et donc autre question, est-ce qu'on considère qu'une enquête est finalisée ou non Et cette question-là de la finalisation de l'enquête euh, nous pose une autre question. Comment on va paramétrer ces, ces enquêtes sont, On sait qu'il y a des modèles connus. On connaît le geste de la recherche d'informations sur Internet qui s'apparente un peu à l'enquête. On connaît les webquests ou quêtes sur Internet qui sont proposées par des enseignants. On connaît aussi la démarche d'investigation en sciences ou encore le parcours d'études et de recherche euh, proposé notamment en didactique et mathématiques. Alors comment fonctionnent ces enquêtes Pour essayer d'avoir un, un, un aperçu euh, plus ou moins clair pour essayer de, de, de voir une certaine structure et de repérer des différences, on peut proposer un tableau de ce type euh, qui mesure la profondeur de l'enquête et la profondeur aussi de, des enjeux didactiques derrière. On peut se demander si c'est l'enseignant qui propose la question ou le problème, si c'est lui qui préconise la procédure et si euh, la réponse est connue d'avance. On peut aussi regarder s'il s'agit juste de vérifier des connaissances ou si c'est pour confirmer, si la démarche est structurée ou guidée par l'enseignant ou alors si la démarche est totalement ouverte. Vous voyez bien qu'il y a euh, différentes combinaisons possibles. Qui peuvent nous permettre d'identifier dans quel type d'enquête on s'inscrit et quel serait le type d'enquête le plus opportun pour répondre à telle ou telle question en fonction des personnes euh, et de l'âge et de l'avancement avec qui on travaille. Donc, euh, il est important de réfléchir aussi à l'infrastructure de l'enquête. Ça, c'est encore une étape dans son paramétrage. Et en fait, en didactique, on pourrait dire qu'on réfléchit sur euh, la construction du milieu pour les thunes. Donc, est-ce que on ramène tous les matériaux dans la classe on va aller chercher à l'extérieur ou alors on travaille sur les deux est-ce que les ressources sur lesquelles on travaille sont disponibles ou est-ce qu'on va les construire est-ce que on donne une certaine place à internet euh, évidemment internet c'est une formidable infrastructure pour les enquêtes euh, que le 19e siècle n'avait pas mais on sait aussi que son usage fécond et contrôlé ne va pas du tout de soi et ainsi, on peut aussi se demander dans cette construction de l'infrastructure et dans son utilisation, quel rôle tout un chacun peut prendre et quelle est la répartition des responsabilités du côté des élèves, du côté de l'enseignant, des deux. Voilà, quelle combinaison est optimum pour arriver à, à mener une bonne vie à la démarche de l'enquête Avec tout ça, évidemment, il y a une question qu'on ne peut pas éviter c'est quels sont les apprentissages qu'on peut viser quelle restitution des résultats de, de cette démarche d'enquête Est-ce qu'on va travailler avec un rapport d'enquête Est-ce qu'on va utiliser l'exposé Est-ce qu'on euh, euh, arrive à dire s'il y a eu des apprentissages Est-ce que ces apprentissages sont durables, volatiles Comment on va faire cette évaluation de la démarche de l'enquête, aussi bien du point de vue du dispositif que du, auprès des élèves ou des étudiants et finalement, qu'est-ce qu'on a appris À cette question, évidemment, à cet ensemble de questions, il est très difficile de répondre. Il n'y a pas de réponse univoque. En fait, il faut surtout veiller à ce que l'apprentissage visé ne se réduise pas aux techniques de l'enquête elle-même. Il ne faut donc pas qu'il y ait un écrasement de l'enjeu de, de didactique par la pédagogie de l'enquête. Et ça, c'est parfois difficile parce que, en fait, ce qu'on réalise, c'est qu'il faut réellement apprendre à enquêter. Il y, a, il y a un apprentissage en soi à faire. Mais alors là, retenons notre éclairage par l'histoire et notre éclairage par la démarche de l'enquête scientifique. C'est qu'on doit toujours rappeler que l'enquête doit aussi s'adapter à la situation. Et que par moment, on doit, le, on doit paramétrer l'enquête. Et donc on ne peut pas rentrer dans des standards trop figés. Donc ça, c'était évidemment aussi un élément qui nous intéresse dans, dans l'enquête, dans, dans la démarche de l'enquête pour une éducation de développement durable, puisqu'on devrait souvent être en présence de situations qui sont assez inédites euh, pour bon nombre de personnes. Et donc, on accepte que ces démarches de l'enquête aient des contours un peu incertains. Alors, arrêtons-nous pour terminer et pour conclure brièvement et provisoirement sur cette question. Il y a pour, euh, pour moi, à travers ce, ce bref aperçu, un, un, un intérêt incontestable de, de la démarche de l'enquête en éducation et en développement durable. Mais pour ça... Pour bien utiliser cette démarche pédagogique, il faut comprendre les paramétrages de l'enquête. Et donc voir à quel moment on doit resserrer les paramétrages et à quel moment on peut les desserrer pour aller vers une structure ouverte et, euh, et plus libre qui est réellement liée à cette éducation du citoyen telle que Dewey le, le proposait. Et donc, euh, on peut aller plus loin. On peut se dire euh, qu'on peut imaginer un travail collectif sur des questions de développement durable. À, la, à travers la constitution d'un forum de questions ou encore l'animation d'ateliers de production de réponses. En fait, pour terminer, si vraiment on veut euh, étudier cet apprentissage de l'enquête et cet apprentissage avec l'enquête, on retient une double exigence. On retient l'importance de maîtriser les techniques d'enquête, de ces différents paramétrages, tout en gardant une certaine ouverture. Et aussi, surtout, on travaille sur. Une attitude propice à l'enquête. Il faut avoir une capacité de questionner le monde et il faut avoir une envie d'apprendre, comme le disait aussi Charles Spears. Alors je dirais à vos questions de développement durable et surtout ne bloquez pas les chemins de l'enquête.